Le 2 septembre dernier s'ouvrait à Paris le procès des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacheur. Un procès pour l'histoire vient de s'ouvrir, pour que l'on n'oublie jamais les attentats tragiques de Charlie Hebdo. Mais alors que le journal satirique publiait à nouveau en une les caricatures de Mahomet, l'organisation terroriste Al-Qaïda a renouvelé ses menaces. Charlie Hebdo est de nouveau menacé par Al-Qaïda, de nouveau, pour avoir publié les caricatures de Mahomet. Des menaces sérieuses, au point qu'une semaine plus tard, la DRH du journal a dû être exfiltrée en urgence de son domicile. La réaction a été unanime. Près d'une centaine de médias ont publié mercredi dernier une lettre ouverte appelant à la mobilisation en faveur de la liberté d'expression. Après les événements survenus hier midi aux abords des anciens locaux de Charlie Hebdo, le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé. C'est l'occasion pour le gouvernement de la République de rappeler son attachement indéfectible à la liberté de la presse. On peut donc se demander, est-on encore libre d'être Charlie ? Est-on encore libre d'être Charlie ? C'est la question de ce soir, on va en parler avec nos invités. André Comte-Sponville, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Je montre tout de suite votre dictionnaire amoureux de Montaigne. Je ne sais pas si Montaigne va nous servir à commenter cette actualité. On vous entend surtout ces dernières semaines à propos du coronavirus et on sait... Alors que je préfère parler de Montaigne de très très loin. C'est vrai, alors ce soir encore une fois, je vais vous faire parler d'autre chose, mais peut-être que Montaigne va nous servir à aborder le sujet grave et important de ce soir, sujet important qui est la liberté d'expression. À vos côtés, Xavier Gorce, que j'apprécie et que j'aime beaucoup. Peut-être vous connaissez ces pingouins. On remarquait, dessiner des pingouins, normalement, ça pose pas de problème, Xavier Gorce. Tant qu'ils n'ont pas trop de signes, comment dire, explicites. Vous travaillez essentiellement sur lemonde.fr. C'est ça. Et également, de temps en temps, pour Le Point, pour l'Express. Voilà. Dessinateur solidaire avec ceux de Charlie Hebdo. Absolument. Tout comme Olivier Ranson, que vous lisez sûrement dans Le Parisien ou aujourd'hui en France pour le reste des régions. L'autre fois au bistrot, quand c'était ouvert, oui. ça vous manque les bistrots alors. Ah oui. De façon quotidienne, un dessin chaque jour dans Le Parisien. On va voir vos dessins aux uns et aux autres pendant cette partie de l'émission. Je vais revenir à vous, mais j'ai oublié la dessinatrice de ce soir. Il y en a une, elle s'appelle Marie Morel, et elle va peut-être nous offrir quelques dessins, justement, tout au cours de ce débat. Et puis c'est Yann Lindingre qui est aussi avec nous. Yann Lindingre, lui aussi dessinateur pour ciné mensuel. Le canard enchaîné, l'Est républicain. Et l'Est républicain. Et auteur aussi d'un prix, ça m'a beaucoup amusé et intéressé, justement parce qu'on est dans le sujet, un prix qui s'appelle le prix Couille au cul. Exactement, oui. J'ai créé un prix, ça s'est passé dans la foulée des attentats de Charlie, c'est-à-dire que janvier 95, donc il y a les attentats de Charlie, et puis suivez le festival d'Angoulême où Charlie a reçu un prix spécial. Et puis j'ai voulu prolonger un petit peu cette récompense. Enfin, ça a changé de nom puisque j'ai créé le prix Couille au cul, qui m'a valu pas que des amitiés. Bon, bref. Et l'année suivante, et la première récipiendaire était Nadia Khari, qui était une dessinatrice tunisienne. Et ensuite, j'ai récompensé aussi Ramizé Erer, qui était une dessinatrice turque, etc. Il ne faut pas oublier que dans le monde entier, il y a des dessinateurs qui risquent leur vie encore aujourd'hui. Il faut être courageux pour être dessinateur satirique. Dessinateur qui commente l'actualité aujourd'hui. À travers le monde, oui. Enfin, le coup de Charlie passé, j'espère... Et ça ne se reproduira plus en France. En tout cas, on n'est pas dans un pays de censure, selon moi. Mais il y a des pays où c'est très dur, oui. Vous savez qu'on commence à entendre, et là-dessus, je voudrais interroger André Comte-Sponville. J'ai vu ça sur les chaînes Info cet après-midi. On commence à entendre le fait que Charlie Hebdo n'aurait pas dû republier les caricatures à l'occasion du procès qui a commencé il y a 3 semaines. Que c'est peut-être ça qui a mis de l'huile sur le feu. On a entendu Jean-Luc Mélenchon aussi en parler. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, André Comte-Sponville? C'est irresponsable de publier non, à nouveau? Non, je ne voudrais surtout pas ça. Je n'ai pas non plus à les juger, ni à les approuver, ni à les condamner. J'ai à les soutenir. Est-ce que c'était pertinent? Je n'en sais rien, on peut toujours discuter. Mais ces gens risquent leur vie pour défendre notre liberté. Donc le seul devoir important, c'est de les défendre et de nous défendre. Parce que c'est quand même la première fois pour les gens de notre génération que la liberté d'expression est à ce point menacée. Et pas comme dans notre jeunesse, éventuellement par le pouvoir d'État ou par des puissances économiques, mais par des salopards d'assassins. Et donc il y a un moment... Il faut rappeler cette phrase, une caricature, ça ne tue pas, le terrorisme
ça tue. C'est ça, c'est toute la question. Et là, Montaigne disait, c'est, ben mettre, voilà. C'est mettre ses conjectures à bien au prix que d'en faire cuire un homme tout vif. Contre les bûchers de l'Inquisition. Aujourd'hui, il n'y a plus de bûchers, il y a des mitraillettes, il y a des poignards. Au nom de conjectures. Parce que la vérité, c'est qu'on ne se bat jamais pour ce qu'on connaît. On ne brûle personne pour savoir si deux et deux font quatre ou si la terre est ronde, parce qu'on le sait. Les gens se tuent pour des choses qu'ils croient et donc en vérité qu'ils ignorent. On ne se tue que pour des conjectures et donc il faut défendre impérativement notre liberté de conscience, notre liberté d'expression. Et ce que viennent de dire plusieurs journaux dans un appel commun, c'est qu'en vérité, la liberté aujourd'hui est moins grande qu'il y a quelques années parce que les journalistes et les dessinateurs ont peur. Et ils ont peur pour leur vie parce qu'on les menace de mort sur les réseaux sociaux. C'est une situation qui, en soi, est quand même extrêmement inquiétante. Cet appel, justement, à la liberté d'expression, signé par différents médias, on l'a vu dans les journaux cette semaine, me permet de vous présenter Guillaume Audat, qui est journaliste et qui nous a rejoint. Pardon, vous êtes un peu loin, Guillaume, mais c'est à cause de la distanciation, on ne peut pas mettre tout le monde autour de cette table. Vous êtes journaliste, reporter, vous avez couvert différents conflits à travers le monde. Et c'est vrai que, par exemple, on a vu que à peu près tous les médias, les journaux les plus petits journaux régionaux, les grands médias, les radios, les télévisions ont signé cet appel au soutien à la liberté d'expression, au soutien à Charlie en quelque sorte, à part l'AFP qui s'est expliqué, l'AFP, grande agence d'information, l'agence France Presse, en disant on ne veut pas mettre en danger, en péril, nos journalistes à l'étranger. Vous le comprenez ça ? Ben, je le comprends, je pense que on doit être libre d'être Charlie, moi c'est en tout cas une liberté à laquelle je ne veux absolument pas renoncer. Parce que ça met en jeu des notions aussi fondamentales que la liberté d'expression et la liberté de la presse, donc ce qui est important. Mais après, être libre d'être Charlie, c'est dangereux dans le monde dans lequel on vit. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais correspondant pendant 4 ans à Jérusalem, entre 2005 et 2009. Et en 2006, c'est précisément à cette époque que Charlie Hebdo a publié les caricatures à la fois danoises et ses propres caricatures. Ça a entraîné un vent de protestation dans le monde musulman avec des vendredis de la colère. Moi, j'habitais dans le quartier palestinien de la vieille ville de Jérusalem. Il y a eu des manifestations très violentes, très hostiles autour de l'esplanade des mosquées. Les drapeaux français étaient piétinés. Moi, mon boulot, c'était de couvrir l'actualité israélo-palestinienne. Donc j'allais également en Cisjordanie et à Gaza, tendre mon micro à des gens qui, pour certains, étaient très radicaux, voire très hostiles, et qui me demandaient « Et toi, alors, t'es pour ou t'es contre Charlie ?» Voilà. Et donc, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on répond ? Moi, je leur disais « Je suis né dans un pays où on a le droit de moquer les religions, quelles qu'elles soient, l'islam, le judaïsme ou le christianisme, mais ça ne m'empêche pas de comprendre que vous puissiez être heurté, et moi, mon boulot, c'est de vous tendre le micro pour vous entendre, justement, exprimer votre ressentiment peut-être, votre colère sans doute, mais en tout cas, voilà, l'idée c'était de rapporter des propos. Pour vous, on se doit, comme vient de le dire André Comte-Sponville, d'être toujours solidaire avec Charlie, même s'ils ont republié ces caricatures, ils l'ont fait parce que c'était le début du procès, ils voulaient montrer que le terrorisme n'avait pas gagné. Ben, moi, en fait, j'ai pris en fait cette republication des caricatures de Charlie comme un cri, quoi. Comme un cri à un moment donné. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre de Charlie au moment où le procès s'ouvre que de dire « je suis Charlie ». Et donc c'est un cri de rage. Il faut écouter les auditions pour se rendre compte à quel point les plaies sont encore ouvertes, les témoins qui s'expriment. Donc oui, je comprends et je trouve qu'il est légitime à un moment donné de crier et de dire « je suis Charlie » au moment où soi-même on est Charlie et qu'on ouvre ce procès qui doit dire tant de choses sur ce terrible jour, ce 7 janvier 2015. Mais à côté de ça, voilà, on doit être libre d'être Charlie, mais je pense que dans un pays comme la France, on doit être aussi libre d'entendre qu'on n'est pas Charlie, sans forcément être cornérisé, stigmatisé, et dire « vous n'êtes pas assez français ». Voilà. Moi, j'ai une amie, elle est musulmane, française, elle ne porte pas le voile, elle a 35 ans, elle est jeune et jolie, elle est avocate, épanouie, elle aime la France comme vous, comme moi, comme, je ne sais pas, Zinedine Zidane. Mais pour autant, quand on lui pose la question « Et toi, alors, t'es pour ou contre Charlie ?» et qu'elle ne répond pas « Je suis pour », on lui dit immédiatement « C'est donc que t'es contre ». Et elle se sent cornérisée, elle se sent stigmatisée, elle se sent en marge. Et alors qu'au fond d'elle, elle est un peu heurtée.
et qu'elle a envie de le dire. Vous avez raison, aussi. À partir du moment où on continue à dire qu'on doit pouvoir avoir le droit d'être Charlie, on doit pouvoir avoir le droit de ne pas être Charlie aussi, mais il faut que les deux puissent cohabiter dans un pays. Voilà. Je pense qu'en France, c'est possible. On est un pays assez mûr, on peut essayer de se comprendre. Moi, je pense qu'il faut continuer à dire « je suis Charlie », mais si toi, tu n'es pas Charlie, eh ben, j'espère que dans notre débat, je pourrais te convaincre d'épouser mes convictions. Xavier Gorce, on a quelques dessins que vous avez signés ici, que vous nous avez apportés. Êtes-vous encore Charlie ? On voit vos fameux pingouins. Alors, il y en a un qui dit « moi, je peux vous répondre à une autre question ». Voilà, on n'ose plus dire ça. Et on voit aussi un dessin, évidemment, de Marie Morel qui dit « achetez les journaux pour que la liberté ne s'envole pas ». Si on peut voir les dessins de Xavier Gorce en même temps, ce serait formidable, parce que c'est ceux-là que je voudrais c'est pas le même montrer maintenant. On est d'accord, oui, c'est bien ça. Et ça, c'est les inconvénients du direct, comme on dit les aléas. Est-ce qu'on va retrouver les dessins de Xavier Gorce, ces petits pingouins ? Dessiner le prophète, par exemple, vous auriez ce courage-là aujourd'hui, vous ? Grande question. D'abord, qu'est-ce que c'est que dessiner le prophète ? À quoi il ressemble le prophète ? Quand on dessine le prophète, comment on sait que c'est le prophète ? Donc, à mon avis, le problème, ce n'est pas de savoir si on dessine ou non le prophète, c'est de savoir est-ce qu'on désigne ce que l'on dessine par le prophète ? Parce que dessiner le prophète, ça ne veut rien dire. On les voit, vos dessins, par exemple celui-ci. J'ai volé des voitures, vendu du shit, mais aujourd'hui, c'est terminé les conneries. Je vais égorger des mécréants. Ça, c'est un dessin fort et dur. Ben, je préfère moi m'attaquer sur la sociologie et la psychologie des terroristes que de m'attaquer à des symboles religieux. Mais ça, c'est un choix qui est personnel. Et on peut parfaitement, effectivement, dessiner et ironiser sur des symboles religieux, ce que je trouve tout à fait légitime, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Ranson ? Moi, je dis qu'il faut dessiner le prophète, je le fais. Mais je regrette, je pensais qu'avec le Covid, je pourrais garder le masque aujourd'hui pendant l'émission et qu'on ne me reconnaîtrait pas. Et en réalité, non, je dessine le prophète, j'ai envoyé des dessins. Je l'ai fait depuis cette époque, parce qu'avant, ça n'était pas... Vous ne vous auto-censurez pas depuis ? Non, au contraire, justement, pour répondre à Vincent, dans ce genre de situation, je comprends qu'il y ait des gens que ça heurte. Mais moi, je pense qu'en faisant ça, comme je l'ai toujours dit, c'est de la liberté gagnée pour les musulmans aussi. Parce que quand on parle des gens qui ne sont pas Charlie dans les pays musulmans, est-ce qu'on parle des gens qui voudraient être Charlie et qui sont coincés là-bas ? Tous les gens qui subissent la religion et qui sont, comme ça arrive au Pakistan, en Arabie Saoudite, condamnés pour hérésie, des choses qui existaient chez nous autrefois, ou qui étaient aussi condamnés, qui sont condamnés pour apostasie. Les gens qui veulent se convertir à une autre religion sont passibles de la peine de mort. Donc aujourd'hui, en acceptant de ne pas dessiner Charlie ici, de ne pas dessiner le prophète ici, ou de ne pas être Charlie, on donne de la consistance au jugement de cette majorité nuisible qui empêche les autres d'être eux-mêmes. Donc je veux dire, je pense que je défends aussi des musulmans, ceux qui veulent la liberté, en dessinant le prophète, comme je le fais régulièrement. J'ai quelques dessins de Ranson, si on a pu les retrouver en régie, j'aimerais bien vous les montrer. Voilà, esprit, Charlie, es-tu là ? C'est la presse, et on dit oui, je suis là, mais chut, il ne faut pas le dire, surtout cet autre dessin, tous contre l'islamophobie. C'était la manif comme ça, où était Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Et ce dessin a aussi été censuré, justement, mal interprété sur Facebook, puisque je reprenais le truc « Où est Charlie ?» comme dans les foules, et le gars, il disait, j'espère qu'il n'est pas venu, il risque de se faire égorger. Voilà, donc ça... Mélenchon, d'ailleurs, on le voit dans le dessin suivant. « Ma personne est sacrée », dit Mélenchon, « on n'a pas le droit de s'en moquer ». Putain, je pensais pas voir ça un jour. Voilà, c'est quand les positions de Mélenchon, qui a varié, qui était un ami de Charbes, de Cabu, et qui maintenant devient, je veux dire, leur pire ennemi, puisqu'il a été épinglé sur plusieurs couvertures, dont l'une des dernières, je veux dire... Mélenchon joue un jeu trouble qui me déplaît et je pense qu'il n'est pas plus sacré que le prophète qu'il me pardonne. Et un dessin qui rappelle à la fois le terrorisme et à la fois que l'islam est une religion d'amour et de paix, sauf qu'on a un terroriste qui répond « tu redis ça encore une fois » et « je t'explose ». Quand même, quand vous avez vu ce qui s'est passé hier, vous n'êtes pas dit « merci d'ailleurs d'avoir accepté de participer à cette émission » parce qu'au fond, quelque part, c'est courageux de venir ici en ces temps compliqués et difficiles. Vous n'êtes pas dit « faut que je me calme, Olivier Ranson ». Certainement pas. Je me souviens qu'en 2015, quand je continuais à fumer devant chez moi, les gens passaient et puis me disaient « mes voisins savaient ce que je faisais, me disaient « condoléances, fais attention à toi ». Et je disais « non, c'est vous qui êtes en deuil ». Et c'est vous qui avez perdu quelque chose et c'est vous qui êtes en danger. Moi, je ne suis pas grand-chose là-dedans.
la menace que faisait peser le terrorisme contre des caricatures, contre un journal, c'est une attaque très très grave aussi contre la démocratie et contre votre liberté. Quand on dit que chacun est libre de l'être, je veux pouvoir, moi, continuer à être Charlie et à dessiner le prophète, et je veux pouvoir continuer à le faire sans que les gens le prennent comme une insulte ou comme une attaque. C'est mon droit. Ils ont le droit de ne pas aimer mes dessins. J'ai forcé personne. Voilà. En fait, Laurent, oui. Ben, faire de l'humour sur ce genre de sujet, je me dis que c'est comme faire une première coloscopie. C'est vital, mais ça peut être douloureux. Ça, c'est pas mal, la coloscopie, ça. Ah bon? Oui, Gors peut vous répondre. Allez, c'est l'indingre sur tout ce que vous venez d'entendre. Ta coloscopie à toi. Je t'enverrai les photos. Alors, on sait, il y a une rivalité entre Charlie et Ciné, etc. Ouais, mais les dessinateurs ont quand même besoin d'être solidaires entre eux. Il n'y a pas le début d'une feuille de papier à cigarette dans ces cas-là entre eux et vous. Non, tout à fait. Et d'ailleurs, quand le drame est advenu, c'est vrai qu'on était... Enfin, il y a deux équipes notoirement en conflit, qui étaient Ciné et Charlie. Cela dit, ce sont nos enfin, parler de la direction... Parce que moi, je ne suis pas un Philippe Valliste, etc. Mais c'est bien nos copains qui sont tombés. Voilà. Et quand bien même, ça ne serait pas nos copains, je veux dire... Cabu, Charb, Honoré, Tignous, Volinsky, il faut les citer. Il nous manque, Dieu sait qu'il nous manque. Avec mon voisin Rançon, on ne peut pas se blairer. Voilà, firme. Le Ciné avait fait, Ciné Mensuel, Ciné Hebdo à l'époque, avait fait une une simplement « Lisez Charlie », juste après les attentats. Formidable, évidemment. Oui, voilà, il y a au moins quelque chose. De toute évidence. Et après, je veux dire... au moment où c'est arrivé, les jours d'après, moi, je dirigeais le journal Flux Glacial et je ne voulais pas souscrire au « Je suis Charlie », cette injonction-là. Je dis, on est nous-mêmes, on reste nous-mêmes. J'avais du mal à définir le concept. On mettait tout et n'importe quoi dans « Je suis Charlie ». Je suis allé le soir à la place de la République, il y avait des tas de jeunes qui étaient Charlie, plus Charlie que Charlie, mais je leur ai dit, vous avez déjà lu Charlie? Et non. Jamais. Alors, ça me posait problème de bêler « Je suis Charlie ». Je dis, je suis moi-même, on doit rester nous-mêmes et être avec Charlie et les soutenir, comme disait André. C'est ça qui est fou, d'ailleurs, qui est intéressant à dire. C'est qu'il y a aussi un phénomène dont on ne parle pas, c'est l'amplification que donnent les réseaux sociaux à un dessin. C'est-à-dire que Charlie Hebdo, on n'est pas obligé de l'acheter. Si on n'aime pas Charlie, on n'achète pas Charlie. Sauf qu'aujourd'hui, les dessins, on les retrouve là où peut-être on ne devrait pas les retrouver. Ils sont reproduits et décontextualisés, évidemment, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un vrai problème. J'étais choqué, par exemple, en tant que lecteur, du dessin de Riz sur le petit Thaïlande, le petit enfant noyé. Peut-on rire de tout? Oui. Doit-on ricaner de tout? Non. Mais si je ne suis pas content, j'achète pas le journal, ou j'achète le journal, j'attends la semaine prochaine que Riz fasse un meilleur dessin. Et puis ça s'arrête là. Rançon? Oui, je me souviens de ce dessin, et je me souviens surtout d'avoir entendu des tas de gens qui disaient « Ah ouais, non, mais j'ai soutenu Charlie », et là, ils exagèrent. Et j'ai essayé de regarder un petit peu ces réactions, et ce dont je me suis aperçu, c'est que les gens qui disaient ça croyaient qu'en défendant Charlie, ils avaient fait une faveur, et qu'ils avaient le droit maintenant d'intervenir sur la ligne éditoriale. Non, le dessin de Riz sur le petit Elan, tout monstrueux qu'il est, était passé, je le rappelle, c'était très amusant, au même moment d'une pub pour une marque de sacs dans Le Monde, où il y avait une fille qui donnait l'impression d'être noyée en page 2. Il l'avait laissé passer le lendemain. Il avait dit que si le gamin avait vécu, il serait devenu un violeur de... Oui, ça aussi, il y a eu ça après. Peu importe, peu importe. Je ne veux pas faire de passer à Riz, il a assez souffert comme ça. Non, je ne fais pas, c'est pas le genre de truc. Je défends Riz et j'attaque plutôt les gens qui, après, se sont permis de dire « Ah ouais, non, mais Charlie ne devrait pas faire ça. » Ils ne sont pas les juges de Charlie, ils ne sont pas les actionnaires ou les rédacteurs de Charlie. Effectivement, comme dit l'indingre, aussi, ils n'aiment pas, ils n'achètent pas. Oui, André Comte-Sponville et après Xavier Vorce. À mon avis, la question, ce n'est pas d'être Charlie ou de ne pas être Charlie. On a le droit de l'être. On a le droit de ne pas l'être. C'est ce qu'on disait on n'a pas l'heure. Le droit de tuer les gens. C'est ça, c'est ça la vraie question. L'autre question, c'est celle du blasphème. Alors, pour autant que le mot ait un sens pour l'athée que je suis, mais injurier Dieu, injurier une personne réputée sacrée comme le prophète. Alors moi, ce que je dis, c'est que le blasphème fait partie des droits de l'homme, mais pas des bonnes manières. Autrement dit, il fait partie des droits de l'homme, pas question de l'interdire ou de le sanctionner, mais pas des bonnes manières. Autrement dit, dans la vie ordinaire, dans les relations normales, il vaut mieux l'éviter pour ne pas choquer, pour ne pas blesser, pour ne pas rajouter de la tension ou de l'agressivité. Sauf qu'on ne va pas reprocher à un journal satirique de ne pas respecter les bonnes manières. Oui. C'est son métier, c'est le cœur de son métier. Et donc c'est normal. Et puis surtout, j'ajouterai autre chose, c'est que le blasphème fait partie des droits de l'homme.
Mais un droit qu'on n'exerce jamais risque toujours de tomber en désuétude. Et donc, il est très précieux que des journaux satiriques comme Charlie, par exemple, réactualisent, si je veux dire, ce droit en l'exerçant. Et effectivement, c'est en ce sens que ce journal satirique, qui par définition ne respecte pas les bonnes manières, qui n'est pas à imiter dans les cours de récréation, joue un rôle très précieux parce qu'encore une fois, il défend nos libertés, il défend notre droit de blasphémer, y compris si vous et moi, dans la vie quotidienne, on évite de choquer les gens. Évidemment. Xavier Gors. Oui, il y avait deux, trois choses sur lesquelles je voulais revenir. D'abord, la notion de être Charlie, je suis Charlie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on partage les idées de Charlie, ça veut simplement dire qu'on défend la liberté d'expression qu'utilise Charlie. Donc je pense que tout le monde peut être Charlie, même si on n'est pas d'accord avec ce que raconte Charlie. C'est la phrase de Voltaire, ça, je me battrai. Mais c'est ça, et donc c'est ça, à mon avis, qu'il faut faire comprendre pédagogiquement. C'est de dire, mais être Charlie, ça ne vous demande pas d'adhérer au dessin ou d'être d'accord avec ce que dit Charlie, c'est juste adhérer à la notion qu'on a le droit de s'exprimer. C'est tout. Ça ne veut pas dire autre chose. Marie Morel qui n'a rien dit parce qu'elle dessine. Oui, je suis concentrée. Très professionnelle. Elle continue à dessiner, mais là, elle veut intervenir. Mais non, mais en fait, j'entends ce que vous dites, mais le problème, c'est qu'en France, on a grandi depuis des générations avec le droit de blasphémer. Et en fait, des pays qui n'ont pas cette culture-là, oui, ils vont être choqués. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on devrait essayer de faire... j'allais dire une éducation, mais c'est pas le bon mot. De propager sans choquer le message que c'est des cultures différentes, je sais pas... En fait, ça me dérange de dire éduquer parce que ça serait comme si c'était des personnes non éduquées. Mais sur ce sujet. Guillaume Audat va intervenir. Non, mais pour aller dans ton sens, en fait, Marie, en fait, moi, je pense qu'à un moment donné, on a tous ce vœu-là, profond et cher, qu'on soit tous Charlie. En France, 68 millions de Français, tous Charlie. Mais en vérité, on s'aperçoit qu'on n'est pas tous Charlie. Et je pense qu'on doit aussi se demander pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous Charlie et où est-ce qu'on a échoué d'une certaine manière à ne pas convaincre ceux qui ne le sont pas encore. C'est ça que je pense assez crucial dans cette idée-là. Olivier Ranson ronchonne dans son coin. Pourquoi ? Non, j'étais juste en train de penser à une histoire, mais je vais franchir le point Goodwin, là. Quand l'étoile jaune a été imposée en France, il y a eu quelques intellectuels qui se sont amusés à se balader avec une étoile jaune, marquée Papou, je crois que c'est Cocteau qui avait fait ça, d'autres. Ça, qui ont essayé un petit peu de provoquer l'occupant et de le faire. Et puis, c'est tombé très, très vite. L'étoile jaune s'est imposée, etc. Donc, j'ai bien dit, j'ai franchi le point Godwin. Et sauf qu'au Danemark, c'est le roi du Danemark qui s'est baladé avec une étoile jaune. Et que les Allemands ont retiré la consigne à ce moment-là, parce que tous les Danois avaient commencé à porter l'étoile jaune. Donc, je pense qu'on s'est posé récemment la question sur Charlie, sur la republication. Et j'ai entendu les membres de l'équipe qui avaient dit, mais si tout le monde nous avait soutenus à l'époque, c'est-à-dire avait mis les caricatures danoises, donc justement, ça démarrait je veux dire, ces choses-là ne seraient pas... Charlie n'aurait pas été le truc. On aurait pu défendre le droit au blasphème et on aurait fait reculer l'intolérance, l'obscurantisme, en leur disant, vous voyez, c'est partout, c'est banal et ça n'est pas une attaque contre vous. Je ne vais pas montrer les dessins que Lindingre nous a apportés, j'en montre deux. Lindingre ne veut pas d'ennui, si on peut les voir, merci. Moi, je ne suis pas Charlie, je respecte vos croyances de merde. Et ce joli dessin aussi de Lindingre, ouverture du procès Charlie Hebdo, et on voit deux terroristes qui disent à l'autre, mais c'est quoi un procès ? Aucune idée, parce que c'est vrai que chez nous, au moins, il y a une justice qui va trancher et qui va effectivement... continuer à travailler malgré ce qui s'est passé, puisque le procès Charlie Hebdo, c'est jusqu'en novembre prochain. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je pense que c'est très vrai. Tous les journaux européens auraient dû publier les caricatures du journal danois dès le début. Et je crois que ça aurait marqué un coup d'arrêt par la solidarité de toutes les démocraties européennes. Ça n'a pas été fait, je l'ai regretté à l'époque et je continue de le déplorer aujourd'hui. Il y avait la notion de blasphème sur laquelle je voulais revenir aussi, parce que quand on parle de blasphème, on peut comprendre que le blasphème existe, mais pour les croyants, pas pour les autres. Le sacré d'une religion ne s'impose pas aux autres. Donc c'est là où il y a aussi une ambiguïté. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de blasphème dans une religion. Si les gens ont envie de croire quelque chose et ont envie d'avoir des choses sacrées, on ne va pas leur dire que ce en quoi ils croient n'est pas sacré. En revanche, ils n'ont pas à imposer à ceux qui ne sont pas dans cette religion leur signe sacré. On voit encore un dessin de Marie Morel, peut-être le dernier pour ce soir. Le terroriste a pris la fuite à pied
encore un coup d'Anne Hidalgo. Ben voilà, ça c'est drôle. Bravo Marie Morel. Merci aux dessinateurs d'être venus ce soir. C'est courageux de votre part. Si, si, je le dis, c'est courageux. Merci aussi à André Comte pour Vivre Montre, votre dictionnaire. Elle est formidable cette collection, hein, il faut dire, chez Plon. Dictionnaire amoureux de Montaigne pour vous, mais il y en a des tas d'autres sur tous les autres sujets. Et vous, c'est Montaigne, mais j'aurai l'occasion, j'espère, de vous avoir à nouveau dans cette émission et qu'on puisse parler plus longuement. C'est vrai qu'on a changé, évidemment, le thème de ce débat hier. C'est pour ça que, vraiment, je vous remercie encore d'avoir accepté. Merci à Comte Sponville d'être venu à une table de dessinateurs. Parce que maintenant, il est cité aussi. Comme... Merci. Maintenant, vous passez pour des philosophes, en fait. Hein, ouais, c'est aussi, ça. Aussi.